attendez, alors Dark Edition, King of Tokyo, d'accord, ok, super, génial ça. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, Lorraine. Non? Non. Mais on va en parler. Pas que de ça. Amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans notre petit papotage consacré, comme nous l'avions déjà fait auparavant, mais de façon différente à King of Tokyo. Autour de la table, Yellow, Robin sont là pour justement nous amener des infos, certaines croustillantes, restez avec nous jusqu'au bout, autour de, on va dire, je pense, l'IP, puisque maintenant on parle d'IP, l'IP principale, l'IP majeure chez Yellow. Oui, c'est ça, King of. La plus ancienne peut-être ? La plus ancienne, oui, en édition, clairement. Et celle qui, là je me tourne vers François, en magasin, c'est pareil, c'est celle qui reste encore et toujours, en termes de jeu d'ambiance à se paffer des grosses papates dans la mouille, c'est celui-là. Ah oui, ouais. Et puis maintenant on peut parler de classique, hein, puisque c'est ça, nouveau classique. Il est sorti il y a 10 ans. Ouais. C'est ça. Et des jeux qui ont réussi à s'installer pour qu'au bout de 10 ans, tu les trouves toujours en rayon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et donc du coup, alors est-ce que c'est pour célébrer ou pas? Moi, je m'attendais à ce que la célébration des 10 ans, et c'est pour ça qu'on a démarré là-dessus, soit autour de la Dark Edition pour un peu marquer le coup. Mais sauf que là, sur la table, vous nous annoncez, vous nous amenez, vous nous montrez un truc qui fait deux fois, enfin c'est la boîte des monstres, avec, en voulez-vous, en voilà, Lorraine, King of Tokyo Monster Box, on en a un tout petit peu parlé quand on vous a rencontré à Essen, ouais. Qui était un petit peu cette première grande sortie publique, on va dire en tout cas côté Europe. Ça y est, on l'annonce, elle arrive. Oui. Oui, oui, elle arrivera donc le 10 décembre en boutique. 10 décembre 2021. À partir du ouais. 10 décembre 2021, tout à fait, aux alentours de 55 euros. D'accord. Et donc, c'est une boîte qui regroupe l'essentiel de King of Tokyo. La substantifique moelle. Oh, exactement. L'ADN principal ouais. des monstres qu'il y a dans la boîte. Alors, juste, je vais la mettre ici, puis on va pouvoir sortir deux ou trois éléments. Je ouais. vais quand même vous montrer, voilà, historiquement. Donc, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, sortait King of Tokyo. Ouais. Et alors, on regardait avec Robin mmh. cet aspect historique. Pourquoi est-ce que je disais qu'on en a déjà parlé? Parce que vous pourrez trouver sur Trick Track une petite rétrospective autour de King of Tokyo mmh. que nous avions tourné pendant le confinement, mais c'était à ce moment-là encore une boîte dans laquelle il n'y avait pas d'autres boîtes. Il y avait un flyer qui avait été installé, et je me souviens, parce que si j'ai mis ce t-shirt-là aujourd'hui, oui. zut de zut, hein, c'est pas pour rien, c'est qu'en animant, et à l'époque en tant qu'animateur, Guillaume, tu avais ouais. choisi ton monstre, Yellow nous avait dit choisissez votre monstre, tu l'as dans le dos et tout ça, et on posait les tapis, le tapis de jeu sur la boîte pour surélever un petit peu le matos et puis on faisait l'animation autour de ça. Voilà, et ça, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, rendez-vous compte. Du coup, voyons un petit peu depuis, côté... justement, on y reviendra. Ouais. On s'est amusé hors antenne à préparer des listes un petit peu étonnantes, cocasses. Mais pour l'instant, Monster Box, donc voilà ce qu'on ouais. va trouver. Est-ce qu'on peut dire que, parce que d'après ce que je vois, il y a des éléments qui étaient du power-up, il y a des éléments ouais. qui étaient monstres spéciaux Halloween, mais il y a aussi du Space Penguin qui était plutôt goodies. Bref, vous avez quand même fait un espèce de package cadeau, quoi. Ouais, exactement. Donc, évidemment, dans la Monster Box, il y a le jeu King of Tokyo. Bah oui, merci. Pourquoi? Non, mais ça pourrait être une boîte de goodies ou ouais. de je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment un jeu pour jouer. Pour jouer. Okay. En fait, grosso modo, si vous n'avez pas King of Tokyo, foncez sur cette boîte parce que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous éclater. Tout ce qu'il faut aider orange. Tout ce qu'il faut aider en orange. Plus. Bah ouais, bien sûr. si, je sais pas, votre sœur n'a pas King of Tokyo. Mais qu'attend-elle? Du coup, go. Il vaut mieux filer sa vieille boîte à sa sœur et puis racheter celle-là. Oh, t'as vu? Ah, ça, c'est une technique aussi. Ouais. Alors. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on retrouve effectivement... Donc, on retrouve le jeu. Le jeu, le on plateau. On retrouve des petits add-ons avec ce plateau de dés. Ouais. Pour jeter les dés de façon monstrueuse. J'aime beaucoup, parce qu'à nouveau, on va pouvoir faire des blagues avec la grosse papate. Hein, vas-y, exactement. Jette les dés dans la grosse papate. Voilà.
Voilà. Les dés Halloween, mais donc ça, on va y revenir. Donc, on a les dés Halloween parce que, bah, il y a... Parce qu'il y a Boogie Woogie. Halloween. Parce qu'il y a Boogie Woogie. Voilà. Et Pumpkin Jack. Pumpkin Jack, Boogie Woogie. Et donc, les dés orange parce que, bah, quand on joue à Halloween, évidemment, il faut on jouer avec des dés orange. Évidemment, les dés orange, c'est que cosmétique. Oui. Voilà. Mais après, si vous adorez le orange, vous pouvez jouer tout le temps. Tout le temps. Avec personne ne vous jugera. C'est quand même des très, très beaux dés. Hein. Voilà. Pardon. Donc, il y a les dés verts, les dés noirs et les dés orange. Qu'est-ce que nous avons par rapport à Halloween, évidemment? Eh bah, Halloween, ce n'est pas que des monstres et des oranges. C'est aussi, évidemment, là, les costumes d'Halloween, donc la petite mécanique supplémentaire que propose la boîte Halloween, parce que Halloween, à la base, c'est une extension. Une boîte spéciale. C'est une boîte spéciale. Ouais. Donc, qui vient avec des costumes. Donc, les costumes, la petite mécanique, c'est un peu comme des cartes pouvoir. Sauf qu'on va les avoir dès le début de la partie et on va pouvoir se les piquer, voilà. Ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres cartes. Donc du coup, on a grosso modo, on peut avec ces deux, avec les deux monstres, bien évidemment leurs feuilles de monstres et les costumes ainsi que les dés. C'est grosso modo l'extension Halloween complète dans la Monster Box. Ça, déjà, c'est fait. Mais il n'y a pas que ça. Non, il y a l'autre extension complète qui est Power Up. Donc, Power Up, c'est quoi? C'est Pandakai. C'est Pandakai, mais c'est pas que, encore une fois, c'est pas que un monstre supplémentaire. C'est toute une mécanique supplémentaire que sont les cartes Power Up. En fait, qui ajoute tout simplement les cartes évolution, pardon, qui ajoute de la symétrie au jeu. Donc, les monstres vont être différents, vont avoir des caractéristiques, on va pouvoir les faire évoluer. Etc. Donc c'est simplement témoignage perso, mon extension sans laquelle je ne joue plus, sauf pour initier. Je l'affirme, parce qu'effectivement, cette petite individualisation de son monstre personnel fait que je m'attache à plus encore à ce qu'il peut faire, à vouloir essayer les autres là où ce n'était pas particulièrement changeant. Mais là, effectivement, je découvre les cartes, je les joue, les combos ou pas, individualité qui me correspond le plus. Je ne joue plus, moi, perso, à King of Tokyo, sauf pour les initiations, je le répète, sans les cartes évolution. Et je vois que... du coup, elle commence avec un spécial. Ben, en fait, le truc, c'est que ben, on n'allait pas vous donner Power Up. Il fallait que tous les monstres qu'il y a dans la boîte aient leur carte évolution. Donc, vous voyez Baby Gigazor. Et Baby Gigazor, c'est aussi un bonus de cette boîte, puisque c'est un personnage en fait, qu'on ne retrouvait dans aucune boîte, sauf une. Ah oui? Ben, en fait, c'était uniquement pour les boîtes qui étaient vendues chez Target aux États-Unis d'Amérique. Bâche! D'accord. Donc, c'est hyper rare et c'était hyper recherché. Ça devait être très, très compliqué à choper. Je veux bien le croire. C'était bien recherché. Du coup, ben, là, on le propose dans cette boîte. Dans cette Monster Box. On me dit dans l'oreillette que c'était le monstre le plus compliqué à trouver après le Pouic. Alors François, tu as raison et on va en parler par rapport aux goodies, puisqu'il y a un monstre Pouic à Tokyo. Je vais avant ça poser une question. Lorraine, est-ce qu'on est bien d'accord quand tu as dit qu'il y avait les cartes évolution pour tous les monstres de la Monster Box? C'est-à-dire qu'on retrouve, alors je vais pas vous les remontrer, mais les classiques, y compris le Space Penguin, qui était à l'époque un goodies. Alors, en fait, Space Penguin, il n'était pas dans la première version de King of Tokyo que tu as à côté de toi. Il était en goodies et on l'a mis dans la seconde version de King of Tokyo. Dans celle qui est là-bas, dans le coin vert. Et du coup, on l'a remise ici parce que c'est sur cette seconde édition qu'on s'est basé, évidemment. Les monstres, ils ont le même design que dans cette seconde version. Oui, parce que certains monstres ont été redesignés entre l'ancienne et la première. En fait. Mmh. Oui, t'as raison, tous. Il y a des Gen 1 et certains ont disparu. Voilà. Cyber Kitty qui est devenu Cyber... Enfin, Cyber Bunny qui a disparu et qui est devenu Cyber Kitty. Donc, on retrouve les cartes évolution de ces six monstres, on va dire classiques. On retrouve la carte évolution du Baby Gigazor, mais également de l'extension Halloween. Évidemment. Et celle de Pandakai, bien sûr. Ok, ce qui en fait déjà un paquet. Bien sûr, j'ai pas montré, mais... Ben, on a les cartes, on a le matos de base, en fait. Oui. Et puis, il y a des cartes en plus. Et il y a 11 cartes, 11 nouvelles cartes que nous a designées Richard Garfield.
pour notre plus grand bonheur. Excellent. Donc, voilà, et celles-là, elles sont dans la boîte aussi ? Bien sûr. C'est 11 cartes. Parce que, une fois encore, pourquoi... C'est pas des goodies à l'extérieur, c'est ça, tout ça, c'est dans la boîte. C'est dans la Monster Box. Pourquoi est-ce que je voulais un petit peu faire ce tour d'horizon ? Cette Monster Box, elle arrive. Elle a des éléments de la gamme King of Tokyo, mais dans la gamme King of Tokyo, et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que, voilà, exactement, vous en parliez, les Monster Pack continuent. Enfin, je veux dire, dire, ça y est, maintenant, il n'y aura plus que ça pour of Tokyo. D'accord. Il y a des idées de Monster Pack, alors il n'y en a pas un qui est prévu spécialement là pour bientôt. D'accord. Pour 2022, on prépare d'autres choses. Ah oui, ok. mais en effet, il existe d'autres choses. Là, on n'a pas tout mis parce qu'en vrai, c'est ouf à quel point on a de choses dans la gamme King of. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas tout regrouper dans la Monster Box. Il y a quand même une seule vraie raison que tu oublies de... Attention. Grâce au fait qu'on ne met pas tout dans cette boîte, ça lui permet de rentrer dans une Kallax sans dépasser. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Ah bah on a fait ça pour ça. C'est vous avez fait première. Ça, la première raison. Donc et les quatre Monster Box existent. Les quatre Monster Pack. Pardon, excuse-moi, n'importe quoi. Il y a des... Donc les Monster Pack, c'est des monstres avec une nouvelle mécanique, c'est des extensions. On pense souvent, enfin, parfois on peut se tromper, c'est juste cosmétique, c'est juste un monster. C'est pas que un monstre. Non. Les Monster Pack, c'est vraiment de nouvelles règles. Il y a Anubis qui va nous maudire, subir pendant toute la partie. C'est malédiction. C'est malédiction. Cybertooth qui se transforme. Cybertooth, il se transforme. C'est un transformeur, ça. C'est excellent. Ouais, c'est très, très drôle aussi. King Kong, on va construire une tour. Voilà. Epic Toulouse avec sa folie. Voilà, j'allais dire, c'est frayeur. C'est un peu plus que ça, quand même. Donc, c'est de vraies extensions. Ils ont vraiment un intérêt ludique majeur. C'est pas que cosmétique. Ouais. Et ça, on tient quand même à le dire parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais les Monster Packs, ce n'est pas que des monstres. Oui, c'est une façon aussi de renouveler ces parties. Ah oui, complètement. Juste histoire de se faire plaisir, vous nous l'avez amené autant qu'on nous, on en profite aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit... comme à l'époque, tu sais, genre un truc, Magneto, Serge, oui, et puis on regarde la Monster Box. Oui. Mise en place par Yellow. Allez, Monster Box. Magneto, Serge. Enfin... Allez, paf, un petit instant promo, là, juste pour se faire plaisir, parce que ça claque, ça déchire. Ouais. Celle que vous avez vue au départ, continuons un petit peu d'avancer dans cette gamme King of Tokyo. On a donc King of Tokyo, la version qu'on a vue tout à l'heure et qui est toujours disponible. Ouais, on a vu les Monster Pack qui sont toujours disponibles, l'extension Power Up qui l'est également. Il y avait un autre jeu qui était derrière moi, le King of New York. New York, et qui lui aussi avait son power-up. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est marqué dans le temps, ça s'arrête, stop, ou c'est pareil, dans la gamme King of Tokyo, ça continue ? King of New York, il n'y a rien de prévu pour l'instant. D'accord. Il est toujours disponible ou pas ? Vous continuez sûr. De l'éditer, de le... D'accord, donc il est toujours disponible. Mais par contre, King of, c'est pas fini. Alors, on a sorti la Dark Edition l'année dernière, donc c'était une édition limitée qui est sold out. Alors, peut-être que vous pourrez la trouver encore dans certaines boutiques. Hein. Il y a certaines boutiques qui l'avaient encore
Ayson, vous en aviez amené les derniers. On en avait amené les derniers de notre stock, on les avait amenés à Ayson. Je ne sais pas si tu peux la choper, François, parce qu'elle déchire cette boîte. La plus jolie. Puis on en avait déjà parlé à l'époque en disant mais comment ça limiter, elle est tellement belle. Alors limiter, il ne faut pas pousser, ils ont quand même fait 2 éditions. C'est vrai. Donc si vous la vouliez, vous l'avez. Qu'une édition. Comme t'es dur. Il y a eu 2 tirages. Le tirage a été livré en 2 fois. Oui, en 2 fois. Le temps qu'il arrive. Dans cette édition collector, arrachage complet. Mais moi, je les voudrais tous en affiche. Les nouveaux monstres ont été redesignés. La couverture fait une affiche excellente. Il y a une ambiance autour. Les cartes. Et en plus, un mécanisme de jeu. Oui. Que du coup, moi, à l'époque, j'avais râlé en disant « Mais mettez-le dans la boîte de base, c'est trop bien !» Les espèces de petites baffes. La méchanceté qui te permet de récupérer et de d'équilibrer aussi d'autres voix. Et là, j'avais envie de dire « Ah là là !» Donc, tu confirmes, Lorraine ? Elle restera, et restera collector. Ah, mercredi, pardon, j'ai pas dit. Pas forcément. En fait, donc, pour vous expliquer, la méchanceté, c'est une petite piste de progression qu'il y a sur le plateau de la King of Tokyo Dark Edition. Qui permet, en fait, de rentabiliser les mauvais tirages de dés. Exactement. Puisque, en fait, dans King of Tokyo, quand on lance des dés, si on fait des brelans de chiffres, de 1, 2 ou 3, on obtient des points de victoire. Directement. Donc faire des 3, c'est très cool. Faire Le triple 1 et parfois le triple 2, un peu moins. C'est pas ouf. Et là, tu gagnais de la méchanceté. Et là, si on faisait des triple 1, on évoluait plus vite sur la méchanceté. Si on faisait des triple 3, on avait nos points de victoire, mais on évoluait un peu moins vite sur la piste de méchanceté. La piste de méchanceté, elle nous ajoutait des petites choses. Des petites choses qui étaient à la 3, à la 6, à la 10. Exactement. Et c'est vrai, c'était excellent. Merci. Alors, elle n'est pas dans la Non, j'en ai pas vu. On a la volonté de proposer cette petite extension, cette micro-extension. Ah, génial. De la piste de méchanceté. Ça, c'est cool. Puisque, en fait, on aimerait chez Yellow lancer une nouvelle gamme qui s'appelle les micro-extensions pour ajouter des toutes petites choses mécaniques. Dans certains jeux, pas que pour King of. Et donc, pour King of, la micro-extension, ça serait cette petite piste de la méchanceté. Avec les petites tuiles et les pouvoirs qui vont avec, bien sûr. Il n'y a pas que la piste, il y a aussi toutes les tuiles qui vont avec. Mais après, moi, je peux rien vous promettre parce que c'est un projet. D'accord. Je n'ai rien de concret. C'est une super... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que... Mais en effet... C'est quelque chose qui a plu aux joueurs, c'est quelque chose qui nous plaît à nous, à la piste de méchanceté, donc... Pourquoi s'en passer ? Voilà. Pourquoi s'en passer ? Donc, maintenant, on a à peu près fait le tour de l'existant, à peu près. Parce qu'on voit qu'il y a donc King of Tokyo, King of New York qui est toujours là, Dark King of Tokyo en... Qui n'est plus là. la Monster Box qui arrive avec ses particularités. Je voudrais juste... signaler un petit peu et faire le point si vous êtes malheureusement comme moi, et je vous plains, plutôt complétiste. Parce que si vous êtes plutôt complétiste, ça veut dire que vous devez avoir chez vous, on a calculé, à l'heure actuelle, 58 monstres différents dans la gamme de King of Tokyo. C'est un truc de dingue. Yellow, même chez nous, on les a peints. Sérieux ? Franchement, alors, pour en avoir croisé, et pour vous donner un petit peu, je vais regarder sur ma liste, puisque j'ai l'anti-sèche. Dans la première génération, ça fait au total 9 monstres. 9 monstres, dont certains sont retravaillés. Mais t'as le redesign. Moi, je prends les deux. Dans la nouvelle génération, ça fait 10 monstres. King of New York, 7 monstres. Les Monster Pack, on l'a dit, 4. La Dark Edition, c'est 8, parce qu'ils sont darkisés. Donc, ce n'est pas les mêmes. En promotionnel, on en revient à ce que tu disais, François, je vais te laisser un peu raconter, le Puik, of Tokyo, qui existe, il compte dans ces 13 monstres promotionnels. Attention à distinguer de la dernière catégorie, et là, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, comment ça se passe, les monstres nationaux. Et là, il y a 16 monstres
Scandinavie, ouais, bah, oui, Australie, oui, etc. Des trucs de fou, Liechtenstein, peut-être pas Liechtenstein, mais... Ce qui fait que, en plus de tes boîtes de base, ouais, qu'en tant que complétiste, tu dois avoir, oui, en un exemplaire pour tous les tirages, il te faut aussi 16 boîtes de base... qui sont sortis par Yellow dans les différents endroits dans le monde entier. T'es pas obligé. C'est pas vraiment ça. Non. Ah, ils sont pas. Ah, vas-y. Donc en gros, pour vous expliquer, on fait des monstres nationaux. En fait, on fait vivre King of depuis 10 ans. On fait vivre la gamme avec nos partenaires aussi, puisque King of Tokyo s'est traduit dans plus de 30 langues, donc c'est dans évidemment beaucoup de pays. Ouais. Et on a eu l'idée il y a de ça, je sais pas, 2-3 ans, je dirais, de faire des monstres nationaux. Ouais, t'es déjà là. Et du coup, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est en partenariat avec partenaires qui distribuent les jeux à l'étranger, de voir pour faire un monstre spécialement pour eux, qui représentent une légende de leur pays, qui représentent en fait leur pays ou leur coin, puissante leur région, évocation du où, pays. Où les personnes qui habitent là se disent « Ah, mais évidemment, c'est notre c'est lui. Monstre !» et donc, c'est les partenaires qui choisissent l'idée du monstre. D'accord. On choisit évidemment, c'est pas forcément évident, mais on choisit des illustrateurs du pays. Donc, c'est pas nos illustrateurs avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est vraiment tout un travail pour valoriser aussi le sur pays. Place. Et c'est des monstres qui ne sont trouvables que dans ces pays-là. Wow. Après, la petite particularité, c'est que nous, on fait ça avec nos partenaires. Mais après, les partenaires, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils les distribuent comme ils veulent. Ils peuvent les vendre, ils peuvent les donner. Ils peuvent les donner sous certaines conditions, ils peuvent les mettre dans un magazine, j'en sais rien, ils peuvent... Oui, c'est à leur convenance. Je crois qu'ils ne peuvent pas les mettre dans les boîtes, justement. Je crois qu'il y a d'accord. Ça ne se met pas dans les boîtes, mais peut-être que je dis des bêtises, mais je crois. Donc, ne faites pas 16 pays différents pour acheter 16 boîtes de King of Tokyo, rassurez-vous. Il y a certainement moyen, et pour en avoir croisé, et je les salue, ces chasseurs de monstres, entre guillemets, et je trouve ça assez excellent, me disaient que certains restent... pas forcément facile à trouver parce que, à part l'échange avec quelqu'un qui est sur place, s'il n'est pas achetable ou trouvable dans une boutique ou essayer de choper un magazine... Les règles du jeu pour trouver le monstre changent à chaque pays, donc c'est amusant aussi. Et donc, nous, on a reçu en fait des photos de personnes qui ont dit « C'est bon, j'ai mon dernier monstre national. » Sauf qu'on en recrée tout le temps, donc c'est bon maintenant. J'ai la totale. Mais demain, ça sera foutu. Et du coup, on a une photo qui montre... Ah ouais attends, tu vas voir, on va te la balancer plein écran, Florian, il va nous la mettre à notre place, parce que je vais les compter, moi, j'ai envie de voir. Voilà, après, c'était une photo, je pense qu'il est plus à jour maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18... Non, il n'y a pas 58 monstres, là, je t'assure, il n'y a pas 58 monstres. Ah non, mais moi, je parle des monstres nationaux. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ça, c'est les monstres nationaux. C'est vraiment ceux qui voyagent, qui voyagent ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Leur petite après, heureusement, avec les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne, ça reste. On peut. Ce n'est pas une quête insensée. Non. Si on a la volonté et quelques moyens financiers, on peut réussir à se faire la collecte. On peut se faire la collecte. Lollipop, je l'ai. Celle qui est en bas à droite. Oui. Ça, par contre, c'est un promo. Xmas Tree, c'était pour. C'est un arbre de Noël. Là, exact, je l'ai aussi. Ça, c'était pour Noël, on l'avait distribué en mars. Alors voilà, ils ont chacun leur petite histoire aussi. Ouais, ça fait partie, en tout cas pour les grands amateurs et fans de King of Tokyo, dont je suis et je le porte fièrement, de savoir justement un petit peu la petite histoire, pourquoi tel monstre, qu'est-ce qu'il y a derrière. Tous, dans ces monstres nationaux, par contre, à l'inverse des Monster Pack, ne viennent pas avec leurs règles. Non, là, pour le coup, on est dans. De l'esthétique. C'est de l'esthétique, c'est juste pour faire plaisir, pour avoir un monstre un peu original, pour dire « Ah non, mais moi, je ne joue pas avec ces monstres-là. Non, moi, je sors de ma poche. » T'es de genre là, toi, Lorraine. Toi, tu serais du genre à te la péter, à sortir le monstre de la poche. Non, moi, je joue qu'avec ça, c'est un monstre ukrainien. Et, et je ne le mettrai pas dans ta boîte, je ne l'oublierai pas chez toi. Dernière chose, si vous le voulez bien, Robin, Lorraine, King of Tokyo, tu as commencé à l'évoquer, j'aimerais bien te tirer un petit peu des verres du nez, si c'est possible. Essaye. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. 2022, et peut-être 2023, je ne sais pas, 2022, King of, ça serait quoi dans ce que tu as le droit de nous dire? Eh bien, on travaille sur un gros projet, puisque en 2022 va sortir, pour SN normalement, va sortir une nouvelle boîte, un nouveau jeu King of
pour l'instant, je m'arrête ici. Parce que Robin, King of quoi Je sais plus. Oh j'ai cru que j'arrive pas à retenir ce nom. Ce nom. Ah, c'est fou. Hein. C'est un King of Paris. Ouais. Enfin, je fais le pari que ça va être un King of. Parce que ça pourrait être King of Paris, ça pourrait pas. Un monstre qui fait des attaques au camembert. Oh, avec une baguette de pain en forme d'épée. Et puis qui serait sur la tour Eiffel pour. Non, mais pourquoi pas. Cela étant. J'ai vu sur vos réseaux sociaux apparaître déjà un petit teaser. Oui, on commence à teaser depuis, depuis très peu de temps, depuis une semaine ou deux. D'accord. Donc, si vous êtes curieux, eh ben, vous pouvez regarder sur la page King of Tokyo sur Facebook. Ouais. Il y aura du teasing tous les mois, il y aura une petite information qui va sortir. Et donc, ce qui est sorti là pour l'instant, c'est le design du premier monstre. Ouais. Et là, ce qu'on va vous sortir... Vas-y, dis voir. Parce que bon... Parce que les gens, ils sont allés. Une petite information. Vas-y, chope des mots, des noms, ils s'appellent comme ci, ils s'appellent comme ça. On leur a fait deviner le nom du monstre. Et ben, on va vous l'annoncer. Le prochain monstre, enfin le premier monstre de cette nouvelle boîte... De ce nouveau King of, il s'appelle... Pagura. Alors, on l'avait vu, je ne sais pas si quelqu'un a réussi à trouver le nom. Parce que alors, pour trouver Pagura, excuse-moi... C'est un problème. Ouais, arrête. François va me dire, moi je connais, c'est la légende du monstre indien. Ça vient du latin pagour, je crois. Hein. Si mon collègue m'a pas raconté des grosses bêtises, Florent, j'espère que je peux compter sur toi. Toi. bref, ça vient de pagour qui est le Bernard l'ermite en fait. Parce d'accord. Que c'est un Bernard l'ermite. En fait, on voit sa petite. Ah oui, d'accord, derrière. Ça y est, on la regarde aussi parce que. Il a pris cher quand même. On regarde aussi la caméra déportée, bien sûr, pour suivre avec vous cette illustration et ce dévoilement devant nos yeux. Donc, Pagura, c'est un nouveau King-Off. King-Off qui est prévu pour 2022. Ouais, fin d'année. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de particularité sur le King-Off New York. Ouais. Qu'a priori, donc, il n'y aurait pas de Monster Pack. Pour 2022, non, c'est pas d'accord. Pris. D'accord. Je vais revenir sur une dernière chose, puisque tu l'as susurré un petit peu, Dark Edition. Il va y avoir la mini extension. Ouais. Mais qui ne sera pas en mode Dark. Tout à fait, pas en mode Dark. Mais ce Dark King of Tokyo a. C'est fini. Alors lui, il est fini. Mais est-ce que cette envie de se faire plaisir autour d'une thématique ou d'une illustration ou d'une autre façon un petit peu. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions collector? Pour l'instant, c'est pas prévu. Après, c'était tellement plaisant de faire ça que... Vous l'interdisez. Cette couverture aussi c'est soyeuse. Hein. Avec garni sélectif et tout, elle a tout. Elle a tout. Mais je veux pas forcément donner envie. Je vais déjà essayer de choper les 58 monstres différents et puis on reviendra ensuite. Voilà, tout ça, c'est du King of Tokyo. Mmh. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas terfini, parce que du coup, King of, il y en aura en 2022. Ouais. En tout cas, en attendant, vous avez la Monster Box. Si vous n'avez pas tout, si vous souhaitez faire découvrir l'univers royal des baffes à distribuer autour d'une ville à envahir avec des lancers de dés à n'en plus finir pour s'en balancer plein les dents, c'est la Monster Box qu'il vous faut. C'est pareil, elle n'est pas prévue pour être collector. Non. Elle est dans la gamme. Elle sera dans la gamme. Dans la gamme des King of Tokyo. Bien sûr, elle sera disponible. Yes ! Nous, de notre côté, on va vous laisser, juste pour se faire plaisir, sur 30 petites secondes, si on devait jouer, parce que vous allez reconnaître, Lorraine, il y a un jeu d'acteur, c'est une petite vidéo pour... Oui, Robin, c'est vrai, t'as raison, j'en vais le dire. C'est pas lui que vous apercevez à la fenêtre, hein, qui en train de... c'est pas lui. Mais allez, remettons donc un peu de promotionnel. Ça aussi, vous pouvez le trouver sur les écrans. Pas dans vos cinémas. C'est juste pour terminer de façon rigolote cette vidéo. On vous dit à tout bientôt et vous allez voir qu'avec Yellow, il y a d'autres vidéos aussi sur le site de Trick Track. À toutes. Bienvenue à Tokyo, lieu où de gigantesques monstres se battent pour le contrôle de la ville. Incarnez l'un de ces terrifiants monstres et ne faites pas de quartier. Lancez les dés, usez de tactiques, utilisez de nouveaux pouvoirs et surtout, mettez de grosses baffes à vos adversaires. Parce que là, on t'entend pas, Lorraine, vas-y, King of quoi? Ah, mais tu peux nous le dire, la caméra est... Ouais. Tu vois, là, les gens te voient rigoler, les micros sont coupés. Ok.